Hello les jolis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver chez Aldi pour une nouvelle vidéo d'arrivage. Je vous propose qu'on découvre les nouveautés de la semaine. Je suis venue le jeudi puisque hier c'était férié en Alsace. Ici, jour férié égale jour férié. Personne ne bouge d'une oreille. Allez, on commence par les cocottes. En fonte émaillée, vous avez dû les voir dans le dernier catalogue, elles sont à 25 euros. Donc c'est de la cocotte qui est compatible tout feu, dont induction, et c'est une 4 litres de contenance. Pour faire des bons plats de saison, là, c'est parfait, je trouve. Après, c'est lourd, hein, donc faut bien prendre soin du truc, là, quand il faut le ranger, parce que si ça nous tombe sur le pied, c'est la galère. Elles sont à 25 euros. Par ici, on a des sets de création pour faire son propre calendrier de l'Avent. Donc en plus, c'est sympa comme forme, c'est que des petits cônes, il n'y a pas que ça. Ça coûte 5 euros, les jolis, c'est pas très cher, regardez. Vous avez également les mini bottes de Noël. Donc il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Hein. C'est de l'assemblage. On peut aussi rajouter sa petite touche perso si on a envie. 5 euros. Regardez, il y a celui-ci aussi qui est sympa en noir et blanc. Et il y en a un autre, je crois, un peu plus pour les enfants. Avec des nounours, des pères Noël. Enfin, on est tous des enfants à Noël. De toute façon, ça ne changera rien. Hein. Donc ça, c'est 5 euros. Le calendrier. Hop, je vous ai tout montré. Je vous ai tout montré. On a ici des pistolets à colle avec 7 bâtonnets transparents. Ça coûte 5 euros. Et il y a aussi, j'ai les doigts palmés moi ce matin. On a aussi des kits de bâtons de colle chaude, vous voyez, avec des paillettes. Il y a des transparents, et il y a des pailletés dorées et argentées. Je crois que c'est le même prix, les 56 bâtons. À côté, on a quoi? C'est des assortiments créatifs de Noël. C'est aussi pour faire son calendrier. Ah, regardez comme c'est chou ça. On a un visuel en plus. C'est des petits sachets avec des animaux barbus. Et regardez, je suis là aussi. Donc 5 euros au choix. On peut aussi opter pour le set de création de cartes, de vœux. On a tout ce qu'il faut. De la ficelle, des modèles de cartes. Et j'ai des diamond stickers aussi. C'est chouette, hein. Vraiment chouette comme arrivage. Celui-là, je ne vous l'ai pas montré. C'est aussi pour faire son calendrier de l'Avent. On est sur des couleurs plus traditionnelles, là, dans les rouges, argent. Allez, vous avez le choix, vous prenez ce que vous voulez. Ce sont des marqueurs métalliques. Ça, c'est très bien pour faire ces petites étiquettes cadeaux, pour faire du DIY aussi. Donc là, c'est de l'argent, non, du doré, pardon, et du noir. C'est 3 euros. On a de la mèche fine, enfin de la pointe fine, pardon, doré, argent et violet. Le stylo blanc. C'est pour dessiner sur le verre. Verre et métal. Ah oui. Moi, je suis là avec mes étiquettes. Ah non, il y en a, ils vont vraiment loin. Regardez, vous pouvez décorer des boules de Noël. C'est vraiment fait pour, quoi. Ça aussi, c'est adapté au verre. C'est tout à 3 euros. Peu importe qu'il y en ait un, deux ou trois. On peut aussi stocker les petits rubans cadeaux. Vous avez ici à 1,29€ le lot. Il y a différentes couleurs possibles. Voilà ce que j'ai trouvé, moi. Et on peut aussi acheter des nœuds. J'adore les nœuds, moi, sur les cadeaux. Je mets des nœuds et du ruban. Je mets les deux. Vous avez également des formats comme ça avec 5 rubans. Non, il y en a 6. Là aussi, on a du choix. Regardez. Ça n'arrête pas de sonner. Je ne sais pas ce qui se passe. Quelqu'un a oublié ses panzani en rayon. Vous avez aussi des petits nœuds avec du ruban. Voilà, le tout à 1,29€. Désolée, je me suis laissée hypnotiser par la sonnette. Je ne sais pas ce que c'est, ce qui sonne. Allez, on a des chaussons ballerines. Je change de sujet. J'espère que vous ne l'entendez pas de chez vous. Ça va vous agacer. Les chaussons ballerines, ils sont à 5 euros. Donc, ils sont tout fourrés à l'intérieur. Sherpa. Et regardez. C'est antidérapant en plus. Voilà, j'ai ces deux modèles. On n'a pas de blanc. Hein. Il n'y a que du gris et du noir. À côté, on a aussi des chaussettes douillettes pour l'hiver. Elles sont à 3 euros. Ah, ça s'est arrêté. Donc, il y a différentes pointures. Vous les avez aussi en uni, bleu et blanc. Pyjama polaire. Ça, c'est pour ma sœur, hein, du SOL. Regardez comme ils sont chouettes. Ils sont à 13 euros. Et là, c'est tout doux. Des fois, il y a des polaires qui sont un peu rêches. Celui-là, il est vraiment tout doux. Il y a, avec un petit panda en plus devant. Et qui croit, il y a écrit Good Night dessus. Vous avez ce modèle en violine. En violet plutôt.
Donc 13 euros, du S au L, il n'y a pas de taille supplémentaire. Ah, on a du bon plan bricolage aussi cette semaine chez Aldi, super. La meuleuse d'angle sans fil, là, elle est à 35 euros. Donc là, c'est vendu sans batterie ni chargeur, il faut s'équiper à part. On a également les disques pour meuleuse à 4 euros. Disques diamant, ceux-là, ils sont vendus par 2. Si on prend les disques éventail, ils sont vendus par 4, je crois, c'est du 125 de diamètre. Vous avez aussi ceux-là. C'est quoi ça? C'est les disques à tronçonner. Ok. Il y en a 11 dans celui-là. Ce n'est pas du tout le même conditionnement d'une gamme à une autre, ce qui est totalement normal. Les forêts SDS, ils sont à 13 euros. SDS+, c'est du 60 cm de longueur. Et on a aussi des sets de forêts comme ceci. Par 11, c'est le même prix. Donc c'est du forêt à pierre, burin plat, burin pointu. On a différentes tailles. Tout est précisé sur l'emballage. Je finis avec l'établi pliable et après je vous emmène un peu plus loin parce qu'il y a des bons plans cette semaine. L'établi, il est à 20 euros. Donc charge max 150 kg. Et bon, bah voilà, il n'y a rien à dire. De toute façon, Workzone, c'est une excellente marque. Et en plus, elle est plutôt accessible à tous. Bon, les sabots andins, je pensais que j'allais trouver ma pointure. Non, il en reste une seule. C'est toujours pas ma taille. Ils sont trop beaux et je suis dégoûtée de ne pas les avoir vus. Je suis dans la zone bon plan et on a de la confiture abricot et pêche en bonne maman. C'est 2,70€ les 450 grammes. Je ne savais pas que ça existait encore, c'est le thé instantané en poudre, en granulé. Là, on a citron ou pêche, c'est 2€. Ça me rappelle ma jeunesse, ça, on en avait tout le temps. Thon albacore, on est à 14,24€ le kilo. C'est 4€ la boîte de 300 grammes. Donc, c'est du thon au naturel. Et si vous aimez ça... J'ai des kits taboulés à 2,20€, donc menthe, citron, huile d'olive. C'est pour 5 personnes à peu près. C'est pas tout, on a déjà les premiers arrivages de chocolat de Noël et ça donne très envie. Les Pères Noël, ils sont à 1€. Donc c'est des moulures, comme ça qu'on dit, du chocolat moulé, quoi, vous m'avez comprise. Il y a 60 grammes. Vous avez l'indétrônable Père Noël de tous les ans sous alu. Il est à 1,80€ au lait. Et si vous préférez les figurines, parce qu'elles sont trop trop choues, moi j'adore quand ça donne envie. Donc celles-là, elles sont fourrées au praliné en plus. Hein. C'est 4€ la boîte. On a des papillotes. Alors, est-ce qu'elles ont des pétards celles-là? Parce que ça, on n'en trouve pas partout, les papillotes pétards. C'est 4,50€. Je crois pas qu'elles en aient. Vous avez dedans du chocolat blanc, chocolat noir et au lait. C'est un assortiment, il n'y a pas de pâte de fruits pour celles-là. En grand format, j'ai celle-là à vous proposer, elle est à 6€, donc chocolat noir, lait et blanc. Et dedans, vous avez, c'est de la fabrication française aussi, ça j'ai oublié de vous le dire, vous avez le détail. Hein. Donc là, on a du praliné corsé, fourrage café, fève de cacao, on a du spéculoos, hein, ça a l'air pas mal. À 6,50€, on a un modèle encore plus, vous voyez le genre avec la noisette et tout ça là. La corolle au lait là avec praliné, une grosse noisette, on a gianduja, on a brique croustillante avec de la crêpe dentelle. À choisir, je prendrais celle-là moi. Mais bon, c'est une question de goût, elle a l'air vraiment bonne. Sans surprise, on retrouve les fruits de mer. Donc là, c'est 2,50€ les 250 grammes. On a également des boîtes de praliné croustillant. Vous avez la version lait ou noisette. Et c'est 3,80€ les 350 grammes dans une belle boîte qu'on peut garder ensuite. Ça, c'est la tradition chez nous, la Saint-Nicolas. Je ne sais pas si vous le faites vous ailleurs. C'est 1,69€ les deux pains d'épices. En fait, ça me replonge tellement en enfance. Ça, comme vous le savez, je suis originaire d'Alsace. J'ai vécu ailleurs en France, mais après, je suis revenue. Et c'était vraiment toute ma jeunesse, quoi. J'ai presque les larmes aux yeux en pensant ça. C'est une époque fantastique. On était enfant, voilà, c'était l'insouciance. 1,70€ les deux fois 75 grammes. Et à côté, on a du pain d'épices, c'est un gros conditionnement là, hein. C'est 600 grammes. 600 grammes à 3€. Ça aussi, c'est la base. Il y en a qui sont glacés au sucre et on a différentes formes. Bon, ça peut toujours vous être utile, hein. Ils ont du stock sur les appareils à raclette à 30€. Donc pierre et grill, c'est du 1400 watts. En puissance nominale et c'est pour 8 personnes. On peut gérer le thermostat sans problème. Donc si vous en avez une utilité,
sachez qu'il y en a ici. Et je crois qu'on a fait le tour. Voilà les jolis, ma vidéo du jour est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve plus tard. Prenez soin de vous. Bye.